D'ailleurs, c'est avec vous, une fois de plus, Linda Labarouy, que nous allons ouvrir ce débat, cette sortie, du moins, ce que certains ont commencé à interpréter, on le dit, le président russe Vladimir Poutine, est-ce qu'il pense annexer l'État de l'Alaska tout part de ce décret qu'il aurait bien sûr signé et on part de là, on signale que l'État russe devrait bien sûr entrer en possession de tous ses biens, les biens de l'ancien empire russe, l'ex-URSS. Donc, on rappelle justement que l'État d'Alaska y appartenait à une certaine époque à l'État russe. Et selon les informations, d'après ce qui est dit, cet État avait été vendu contre 7 millions de dollars par les Russes en 1867. Alors, Linda Labarouy, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ce décret du président russe? Est-ce que vous pensez que c'est un réel projet? Ou alors, voilà, c'est un simple décret qui est peut-être mal interprété? Il y a eu un petit moment, bien évidemment, de désordre, l'époque de Yeltsin, et puis une fois que M. Poutine est arrivé, là, le travail sérieux a commencé. Donc, ce que fait M. Poutine est en train de récupérer tout ce que cette oligarchie américaine qui vient de la Russie, bien évidemment, les juifs khazars, je cite souvent Blinken, mais ils l'ont fait. Donc, il va essayer de récupérer tout ce que ces juifs khazars ont pris, ont volé, ont pillé, ont dilapidé. Ça, j'en avais parlé d'ailleurs quand la guerre avec l'Ukraine a éclaté, on appelait ça. Alors, j'avais fait une intervention sur un plateau télé et tout le monde était d'accord pour dire que les choses allaient vite se passer et que ça allait être une opération éclair. Et j'étais la seule qui disait non, ça va être une guerre très très longue. On est parti pour une guerre d'usure et une guerre d'en finir avec tout ce lobby sioniste qui est réfugié aux États-Unis et qui gère aujourd'hui le monde. Si on reprend les paroles de Monsieur Poutine, pas à sa dernière intervention, mais l'avant-dernière intervention, où là il ne parle plus d'Occident, il ne parle plus d'hégémonie américaine, mais il parle d'un groupe de personnes et qui a pris le stage. Voilà. Et ce groupe de personnes, c'est des familles qui sont là et qui ont commencé en 1846 à vouloir faire du mal à la Russie impériale. Ils ont mis du temps pour y arriver et puis à partir de 1882, il y a déjà une petite, c'est lié à Israël et au conflit palestinien également. Il y a une petite partie qui s'est mise dans le terrorisme qu'on connaît aujourd'hui est né en Russie justement par cette catégorie de personnes. Et l'objectif, c'était de créer un État juif sioniste. Ils ont réussi, mais ils ont réussi avec de l'argent russe, de l'argent dilapidé, avec le meurtre de trois tsars, le tsar Alexandre II, le tsar Alexandre III et Nicolas. Et si on est arrivé à exterminer toute la famille de Nicolas II, le Roumanov, parce que il représentait l'Église orthodoxe. Et là, on reprend un petit peu les paroles de Monsieur Lavrov, Monsieur Medvedev aussi, ou Monsieur Poutine. À chaque intervention, quand ils ont parlé par rapport aux problèmes qu'ils ont avec l'Ukraine, eh ben, ils ont parlé d'une guerre contre l'orthodoxie. Et effectivement, c'était une guerre contre l'orthodoxie. Et si j'enchaîne avec ça, c'est pour dire que sur les territoires occupés palestiniens, les églises orthodoxes appartiennent à la Russie. Et ça, c'était à l'époque de l'Empire ottoman. C'était l'Empire ottoman qui avait conseillé aux Russes de racheter ces églises. Et puis, ils en ont construit d'autres. Et puis, en Éthiopie aussi, il y a quelques églises qui appartiennent à la Russie. Et quelques biens aussi partout dans le monde, également en Angleterre, puisque le tsar lui-même, il planquait un petit peu d'argent en Angleterre. Donc, aujourd'hui, Monsieur Poutine ne s'amuse plus. Monsieur Poutine a récupéré ce qui appartenait à la Russie au niveau des pays du Caucase.
Il a récupéré aussi une bonne partie de l'Ukraine, ce qui a été amputé à la Russie par Monsieur Lénine quand il a fait sa révolution bolchevique et il a créé cette république, il lui a donné l'autonomie et c'était pour carrément la détacher. Il y avait eu une feuille de route concernant l'Ukraine et c'est la Crimée qui était visée. Et puis en 1917 aussi, quand il y a eu cette révolution, le premier territoire que les Russes sont perdus, c'est la Finlande. Il faut jamais oublier ça. La Finlande, on a détaché la Finlande pour créer justement le problème qu'aujourd'hui ils ont en Russie, c'est qu'il n'y a plus une zone entre le monde occidental et le monde la Russie pour protéger bien évidemment Moscou. Donc la Russie a perdu énormément avec ce même lobby qui est aujourd'hui aux États-Unis et qui est un lobby anglo-saxon, mais un lobby aussi de juifs khazars. Donc quand il y a eu l'alliance des juifs khazars avec les juifs ashkénazes et l'église protestante, eh ben le premier pays qui a subi, c'est la Russie. Et aujourd'hui, Monsieur Poutine ne s'amuse plus. Monsieur Poutine veut récupérer tout ce qui a été volé, tout ce qui a été spolié à la Russie. Et le moment est très, très bien choisi parce que quand on regarde actuellement, les Américains sont vraiment dans l'embarras et ils sont vraiment en manque de munitions à tous les niveaux. Et puis la Russie, avec ses alliés, eh ben la fabrication est passée à 300% depuis déjà 2 ans. Sans parler, on parlait tout à l'heure de l'Iran. L'Iran fournit tout ce qu'il faut à la Russie, la Chine également, la Corée du Nord. Et puis il y a les 80% de la population mondiale qui aujourd'hui ne veut plus exclure la Russie comme ils ont fait avec l'Union soviétique. Et bien au contraire, ils veulent travailler avec la Russie. Donc jamais la Russie n'a été aussi forte depuis 1846. Donc la Russie est en train de récupérer, et puis tant mieux. Alors oui, passion par Fendom, décidément, c'est donc un projet sérieux, si on s'en tient à l'analyse de Linda Labarouis. La Russie veut effectivement récupérer son territoire, on se demande. Et je pense du côté des États-Unis, il y a déjà certaines réactions comme quoi les États-Unis ne se laisseront pas faire. On imagine vraiment la suite, justement, une sorte de confrontation entre ces deux pays. Je pense qu'au-delà des éléments pertinents Oui. Que vient de développer Linda Larmawi, Oui. il faut aussi noter que nous sommes dans une guerre. Et si cette guerre-là a plusieurs aspects et plusieurs démarches stratégiques dans la compréhension globale de ce qui est en train de se faire, Oui. Regardez par exemple, l'élément majeur, c'est-à-dire l'argument massue qu'utilisent aujourd'hui les extrémistes israéliens pour valider le projet de la colonisation de la Cisjordanie, Oui. c'est qu'ils se basent tout simplement sur les écrits bibliques de l'Ancien Testament, en disant que c'est notre livre comment dire ça, de domaine domanial, Oui. qui explique que historiquement, en fonction de la Bible, ce territoire nous appartient. Et donc nous avons le droit de préemption de nouveau, de revenir sur ces terres qui ont toujours été les terres de nos ancêtres, de nos aïeux. Et c'est dans cette stratégie que M. Trump avait, dans le cadre pour pouvoir immobiliser les leaders arabes, lancé l'initiative des accords d'Abraham. Pour dire, de toute façon, vous êtes tous des enfants d'Abraham, revenons, n'est-ce pas, à la lecture de ce qui peut se faire à la base, Oui. n'est-ce pas, de cet Ancien Testament. N'est-ce pas, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est comme la clé sur le plan de manial sur laquelle peut s'appuyer ces nouveaux faucons Israël, israéliens Oui. pour revendiquer ces territoires. Alors, nous avons parlé de l'Iran, mais ce que les gens, beaucoup de gens ne savent pas, les Iraniens sont des peuples qui sont venus de l'Inde. Ces peuples perses-là, on les appelle les Oui. Perses, ils Oui. sont venus de l'Inde, ça fait peut-être 5 000 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, valablement, les Iraniens peuvent se lever et dire, bon, comme nous sommes venus de l'Inde, ça fait à peu près 5 000 ans, nous allons retourner sur cette terre ancestrale et dégager tous les gens qui y sont parce que ces terres-là nous appartiennent historiquement. Alors, les États-Unis et le monde anglo-saxon
soutient Israël dans cette politique, n'est-ce pas, de colonisation. En validant le fait que l'argument que présente Israël, que ces terres ont toujours appartenu à leur ère d'influence, j'allais dire culturelle et civilisationnelle, est valable. Mais alors là, Poutine rappelle donc aux États-Unis, attention, l'acquisition de l'Alaska par les États-Unis date du 19e siècle. Et dans une vente qui peut être remise en question. L'État d'Alaska est l'État le plus grand des États-Unis. Quand vous regardez une carte, les cartes sont très importantes. Ouais. Il faut connaître les spectateurs, regardent bien les cartes. En réalité, cet État-là a une frontière avec le Canada, même pas avec les États-Unis en tant que tel. Très proche du Canada. Voilà. Ouais. Donc, tu appartenais à la Russie de l'époque, par l'Union soviétique, dont l'Union soviétique vient après, à la Russie. Quand on va donc essayer de regarder les clauses de cette vente-là, par la Russie tsariste de l'époque, et justement, ces oligarques, Khazars, n'est-ce pas, et ces juifs askénazes qui ont fait le lien et qui sont bien implantés aux États-Unis, on peut questionner la validité de cette vente. C'est un territoire qui est plus grand que la France, je crois, 5 fois. C'est plus d'un million de kilomètres carrés. On peut la questionner. Et dire que, bon, comme ce territoire nous a appartenu, comme les autres estiment que c'est que la Cisjordanie a des territoires qui leur appartiennent, par exemple, la ville de Bethléem, et pourquoi ne pas, non? Effectivement, Mme Luda Labaoui, qui est algérienne, elle sait aussi. La France a tenté aussi ce coup, avec de faire l'Algérie une colonie de peuplement. Pourquoi pas demain? La France ne peut pas s'élever pour dire que, de toute façon, ces territoires algériens nous ont toujours appartenu. D'ailleurs, la première expérience de leur première bombe atomique s'est faite sur le désert algérien. Donc, Poutine est en train de mettre en garde tous ces gens qui valident des concepts qui sont devenus complètement caduques au vu de la nouvelle donne de la réalité démographique, géographique et spatiale du monde, en violation de tous les textes juridiques de l'instance qui gère complètement, n'est-ce pas, la diplomatie et le droit mondial qu'on appelle l'ONU, qui reconnaît l'État palestinien, mais qui, malgré les nombreuses décisions prises par cette structure-là, le droit de veto des pays anglo-saxons, les États-Unis en premier, n'ont jamais permis l'émergence et la validité, la validation de l'État de Palestine. Tout à fait. Donc, vous voyez dans quoi on rentre là. Mais pire encore, en tentant de faire de l'Ukraine son pont avancé pour détruire la Russie, le monde occidental a oublié que, historiquement, la Russie elle-même, le peuple russe, est né à Kiev. Historiquement, quand on parle. Donc, la Russie leur rappelle qu'il n'y a pas que le Donbass qui est peuplé de peuples russophones, mais même le cœur de notre civilisation, elle est née à Kiev. Ça va être long à expliquer. C'est effectivement ce qu'on a fait aux Serbes avec l'affaire du Kosovo. Le peuple serbe a son nombril au Kosovo. C'est au Kosovo que ce peuple-là tient sa racine principale. Mais vous voyez comment on a bombardé, on a violé les règles internationales, on a charcuté ce point extrêmement important pour la culture serbe, et on en fait un État pour d'autres peuples. Donc ça, la Russie est en train de mettre en garde tous ces gens qui sont dans cette théorie nouvelle-là, d'acquisition de terres, de reformatage de l'ordre international, de pillage, mais surtout de tentation d'aller faire des préemptions sur des terres qui ne sont pas les leurs. Quand on regarde aujourd'hui la Palestine, elle ressemble un peu à une peau de léopard. Ils ont gangréné partout. C'est-à-dire, vous êtes dans la ville de Douala, pour ceux qui comprennent. On estime que dans Douala, Bounam Sadou ne vous appartient pas, ça appartient à Israël. Bounapriso appartient à Israël. Nobel appartient à Israël, le pomme appartient à Israël. C'est-à-dire que vous vous trouvez en train de sinuosité pour aller d'un territoire qui est le vôtre à un autre. Parce que les autres estiment que ici, c'est pour nous et c'est très grave. Que font les colons? Ils viennent, ils voient chez vous ce quartier, ils disent que quand je regarde ma Bible, qui est mon plan cadastral premier, cette ville-là, Ashkenaz, m'appartenait
Et voilà, même si comme ils oublient que quand on regarde très bien, ce sont les Philistins qui étaient, dont la capitale était ce qu'ils appellent Askenos aujourd'hui. Donc, je pense que nous sommes là dans une revendication au-delà du caractère belliqueux de Poutine, mais qui pose le problème à un autre niveau, au niveau de la réflexion globale, des gains de, que les gens cautionnent sur le fallacieux prétexte que tel peuple, parce qu'ils sont soutenus par l'Occident, ont le droit aujourd'hui d'aller brimer, d'aller arracher, d'aller piller, d'aller imposer la loi des faucons, des extrémistes qu'on nous présentait encore, je pense à la France, comme des gens qui sont des intouchables, la question de l'extrême droite française, mais qui sur la question israélienne, on a vu des héros de la démocratie française nous dire que, oui, ils peuvent faire des marches en commun avec les troupes de l'extrême droite, parce que la question est tellement importante puisqu'elle touche à Israël. Et c'est pour cela que nous apprécions à sa juste valeur et nous sommes fiers de l'attitude de l'Afrique du Sud aujourd'hui. L'Afrique du Sud, qui a traîné les différents procès qu'elle est en train d'ester, c'est l'État d'Israël, mais pas que. Parce que là aussi, il déborde maintenant pour toucher les États-Unis, elle-même, démontre aux yeux du monde et renforce, n'est-ce pas, l'opinion qui voudrait que on ne peut pas violer la loi internationale sans conséquence. Et qu'aucun pays, quel que soit le soutien qu'il peut bénéficier, ne peut pas aujourd'hui nous ramener dans les années de cauchemar de l'apartheid. C'est inadmissible. Ne peut pas nous ramener dans les années de cauchemar de l'esclavage. C'est inadmissible. Et tout cela, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, à la faveur du courage sud-africain, cette nouvelle démarche qui remet à plat aujourd'hui cette problématique pour dire au monde occidental impérialiste que le moment est venu de rebattre les cartes et d'aller vraiment vers des négociations qui vont aboutir à des solutions apaisées pour l'ensemble du monde et de nouveau retourner, n'est-ce pas, le caractère en réalité belliqueux, le caractère de violence, le caractère de gens qui sont imbus d'une classification de l'humain entre eux qui détiennent le pouvoir central et le pouvoir ultime et les autres qui ne peuvent être que la périphérie, dont les esclaves qui vont continuer à nourrir. Alors là, l'attitude des Khazars, dont M. Biden, il n'y a pas que des Khazars, mais aussi des Talmudis qui enrobent bien cette affaire-là, est aujourd'hui un véritable danger pour la paix et la cohésion mondiale. Merci à vous une fois de plus, patient par fin d'homme. On rappelle à nos téléspectateurs que voilà, on a encore quelques minutes. D'ailleurs, on refait le dernier tour de table. Certainement, on ira aussi, hein, si le temps et la technique nous le permet, du côté du standard pour prendre pourquoi pas quelques réactions de nos téléspectateurs. Linda Labarui, alors on va poursuivre peut-être pour le dernier tour de table. Une seconde pour que j'oublie pas. Rapidement. La ville en question, c'est Ashkelon. Qui était la capitale, voilà, des Philistins. C'est Ashkelon. Parce que quand ils prennent la Bible et ils parlent d'Ashkelon, c'est. Voilà. Mais aujourd'hui, elle est de côté israélien et ça ne gêne pas. C'est important. C'est important de le souligner. Linda Labarui, peut-être après aussi, hein, les réactions aussi de nos téléspectateurs ici qui nous envoient également, du moins qui réagissent via nos différentes plateformes. Beaucoup craignent donc à présent, parce qu'il faut le dire, beaucoup n'ont pas cru à cette information que M. Poutine voudrait, bien sûr, annexer l'Alaska. Mais maintenant, beaucoup craignent une éventuelle guerre. Si jamais on arrive à un affrontement entre la Russie et les États-Unis, on sait quand même que les États-Unis ne se laisseront pas faire. Mais est-ce qu'on pourrait arriver vraiment jusque-là, Linda Labarui, un peu comme ce qu'on voit du côté de l'Ukraine? Ce qu'on est en train de voir, c'est que le fait d'entraîner déjà Israël en justice et un tribunal qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas le contrer. Le tribunal a été bien choisi, c'est ce tribunal qui a jugé justement les Allemands et
et tous ceux qui ont commis des crimes de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'était au profit des Juifs. Donc là déjà, c'est un tribunal qui est assez délicat et les Israéliens ne peuvent pas le renier. Et puis les Américains aussi se retrouvent dans la même accusation. Et je félicite également l'Afrique du Sud, moi, pour cette action. Mais il y a une chose à savoir, c'est que Théodore Herzl, qui a créé l'État sioniste israélien, qui avait cette idée, ça s'est fait en 1917 avec la promesse de Balfour, et ben, il était l'ami intime d'un certain Jean Smet, et ce Jean Smet a créé aussi l'État d'apartheid, et c'était les Anglais qui étaient derrière. Il y a une racine entre les deux États, et puis il y a une ressemblance, et cette ressemblance on la retrouve également aux États-Unis. Quand les premiers blancs qui sont arrivés justement aux États-Unis, et c'est les mêmes blancs qui sont venus nous coloniser après, et qui ont colonisé également la Russie et la Chine, et ben ces blancs-là sont arrivés avec l'idée, nous sommes les préférés de Dieu, et c'est une terre sans peuple. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas pris compte qu'il y avait des Indiens qui vivaient là. Donc on retrouve le même état raciste sioniste, un état d'apartheid, partout dans ces pays-là. Et pour revenir à la question justement russe, ça c'était un territoire qui nous appartenait. La Russie est dans le procédé où ça c'est un territoire qu'on nous a spolié. C'est pas la même chose. Et les États-Unis, plus ils savaient, plus ils s'affaiblissent, plus Israël, qui était un danger pour le lobby sioniste israélien. Il y a 2 millions d'Israéliens, de Russes en Israël. Ils constituaient carrément un lobby très dangereux pour la Russie. C'est ce même lobby qui a provoqué à chaque fois des révolutions en Russie. La première révolution, je vous ai dit, c'était en 1846, on a commencé à créer des groupes terroristes. Après, on arrive à 1882, où carrément, nous avons la racine de ce qui est devenu l'armée israélienne aujourd'hui, qui était un groupe terroriste. Et pareil, ils voulaient obliger le tsar à abdiquer et puis à leur donner le droit d'aller de créer leur propre État. Et puis si on retrace l'histoire des Khazars, des Juifs Khazars, eh ben c'était comme les Juifs aussi, les Juifs ashkénazes, ils étaient pourchassés partout en Europe. Et puis là, le tsar de Russie leur a ouvert les portes et il les a laissés vivre une vie saine et sereine. Je vais aller plus loin, c'est que quand la population russe à l'époque, qui était un peu musulmane et beaucoup orthodoxe, a commencé à avoir des problèmes avec ces gens-là, c'est carrément le tsar qui a mis une loi en place pour obliger les Juifs Khazars à aller à l'école. Et c'est ça qui leur a donné une importance après. On les a retrouvés dans la médecine, dans la pharmacie, dans beaucoup de domaines. Et au lieu de remercier le pays qui leur a ouvert les portes, ils ont tué le tsar. On reprend, dans cette histoire, on va reprendre, par exemple, le frère de Lénine, qu'on savait pas jusqu'en 1992 que c'était le frère de Lénine, mais c'est Alexandre Ouliakov qui a essayé de tuer le tsar Alexandre II. Après, Alexandre II a été empoisonné, tout comme Alexandre III, et on arrive carrément à la révolution de 1917, où le tsar a abdiqué, mais on est allé jusqu'à le massacrer. Et quand on retrace aussi l'histoire de ces Khazars, il y avait les bolcheviks, il y avait les molcheviks. Donc les bolcheviks étaient représentés par Lénine et les molcheviks par Trotsky. C'était le même groupe. C'était le même groupe. Et je vais finir avec ça, sinon ça va être très long. Vous allez au musée de Washington. Eh ben, tout ce qui appartenait au tsar et sa femme, c'est le lobby américain venant des pays de l'Est qui a racheté, et c'était la femme de Trotsky qui était chargée pour tout brader. Donc tout a été bradé et tout a été dilapidé. Aujourd'hui, Poutine veut récupérer ce qu'on leur a volé. C'est pas une histoire de 5000 ans, de 10000 ans. C'est une histoire que ce sont les Juifs Khazars qui entouraient le tsar, qui ont tout dilapidé, qui ont volé.
et qui ont vendu des choses qu'ils n'avaient pas à vendre. Donc la Russie a ouvert ses archives et la Russie est en train de voir partout où il y a un bout de terrain, elle va le récupérer, et ça j'en suis convaincue. Si c'est pas demain, c'est dans quelques années. Mais les États-Unis, à part la bombe nucléaire, et aujourd'hui, il y a d'autres armes beaucoup plus performantes. Hier, la Corée du Nord, par exemple, ils ont testé des missiles qui peuvent dépasser même des États-Unis. Le Pakistan qui a fait des essais nucléaires hier aussi. Il y a une alliance, tiens, je reviens à l'Iran. Iran, Turquie et Pakistan, pakistanaise, pour essayer de développer des armes et puis d'aller vers un nucléaire beaucoup plus... plus important. Donc aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus d'alliés à part les pays occidentaux, et puis les pays occidentaux sont en difficulté, une véritable difficulté, et les États-Unis aujourd'hui ont dépassé les 33 trillions de dollars de dette, et ce n'est pas négligeable ça. Merci. Linda Labarre, oui, avant de passer la parole à Passion Parfendant pour certainement clôturer, on va essayer au standard avec Sidi qui nous appelle depuis le Bénin. Bonsoir, monsieur Sidi, bienvenue. Bonsoir, Voyou Télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Voyou. Je m'incline devant le vieux sage, Passion Parfendant, qui ne se fatigue jamais. De nous renouveler, de nous rappeler beaucoup de choses. Queen of Africa, Madame Sike Doumbé, tous mes respects et toutes mes considérations. Merci pour ce combat. Madame Linda Larrouki, je dis assalamu alaikum. Madame Sike Doumbé, vous savez, aujourd'hui, je suis très fier de revoir Madame Linda Larrouki, à qui j'ai vraiment une très belle question, parce que son développement au niveau des chaînes panafricanistes, ça me plaît. Mais il y a un point sur lequel je ne l'ai pas entendu et je ne suis pas d'accord avec elle. Avant tout propos, j'aimerais lui poser la question. Madame Linda Larrouki, voyez-vous, votre pays, l'Algérie, a été pris en flagrant délit de concubinage incestueux avec ces terroristes du côté du nord du Mali. Parce que j'aimerais vous entendre par rapport à ce jeu-là. Et si l'Algérie a commencé par recevoir Madame, M. Diko, le vieux imbécile là, vous devez intervenir parce que nous vous connaissons panafricanistes, nous connaissons vos positions, nous avons longtemps attendu que vous interveniez là-bas. Lorsque j'ai fini de poser ma question, Madame Sike Doumbé, vous savez, le bouleversement de la géopolitique internationale ne se fait pas dans la folie, ni dans l'agitation. Ce sont les hommes posés qui ont ce monde. Ce sont des hommes stratégiques qui gouvernent le monde. Poutine, c'est le maître du monde. Sur le plan international, il n'y a personne qui peut défier Poutine en matière de pousser les pions. Vous voyez, l'Alaska dont vous parlez, c'est l'Alaska seul, vous voyez. Moi, je vois beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir créer des problèmes qu'on appelle à la Fédération de Russie. Mais en réalité, ce sont eux qui auront tous les problèmes du monde entier. Parce que, tenez-vous tranquille, lorsque la Russie va boucler la boucle avec les territoires Odessa, je précise Odessa, parce que l'objectif c'est aller jusqu'à Odessa et discuter avec aussi qu'on appelle la Pologne sur certaines frontières. Lorsque la Russie va finir ça, vous allez voir combien de territoires vont réclamer aussi leur liberté. Et on verra s'ils auront la même fougue, la même réalité, ces sionistes-là aux États-Unis de supporter qu'on appelle ça, parce que les peuples ont besoin aussi de liberté. Et ce n'est pas de l'autre côté la seule. Nous allons voir d'ici peu de temps ce qui va se passer. Et j'aimerais revenir sur la question d'Idriss Déby. Fils, parce que je vous ai longtemps dit ici que je soutiens Idriss Déby, comme le président Banda a toujours su le faire. Je soutiens Déby parce qu'il y a plusieurs choses en bas qui nous disent que Déby est mille fois meilleur que ce pantin de succès Masra ou bien d'échec Maxra qui est en train de nous créer des problèmes. Je ne saurais monopoliser la parole parce qu'il y en a beaucoup, mais Inch'Allah, je sais qu'on se verra. For you television, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat. Passons par 20 hommes. Tous mes respects une fois encore. Merci à vous, monsieur Sidi, depuis le Bénin. Je ne sais pas, Linda Labarrouki, est-ce que vous voulez peut-être
apporter quelques éclaircissements par rapport à la réaction ou encore la préoccupation du téléspectateur? Oui, Oui. ce que les gens en Afrique ne savent pas, c'est qu'en Algérie, nous avons trois confréries. C'est un pays à 99% musulman et nous avons trois confréries qui représentent le peuple algérien. Donc, il y a la confrérie Tidjani, vous avez même dans le nord du Cameroun des Tidjani, le Tchad par exemple, une partie du Mali, tout ça. Et puis, nous avons aussi la confrérie Kadiria. Il y a une partie au Mauritanie, une partie au Sahara occidental, Maroc, Algérie. Mais nous avons aussi des gens qui sont allés à la confrérie, donc Zaouia El Kentia. Et les deux premières confréries sont représentées par des Algériens. Mais la confrérie d'El Kentia, le chef suprême, c'est le Diko, le imam Diko. Donc, quand Diko a été invité en Algérie, c'était dans un cadre religieux et tout l'Algérie, le président, quel que soit le président, reçoit les chefs suprêmes, ses confréries. Ce que je pourrais dire, c'est pas impliqué dans une histoire de terrorisme, c'est pas pour défendre mon pays, mais on ne peut pas non plus exclure une bonne partie de notre population du Sahel liée à cette confrérie. Et surtout, parce qu'aujourd'hui c'est Diko, demain ce sera quelqu'un d'autre, mais ça devrait être quand même une fierté pour les populations sahéliennes que l'Algérie donne de l'importance à cette confrérie qui est majoritaire dans les pays sahéliens. Donc voilà dans quel cadre. J'espère que Diko ne se restera pas à cette place, que quelqu'un d'autre le remplacera, et comme ça il n'y aura plus de polémique. Et puis c'est réel ce que je dis, c'était dans un cadre politique, et c'est pour ça qu'on n'a pas entendu d'ailleurs Monsieur Assimi Goïta s'exprimer sur la question, et puis ça a été étouffé tout de suite. Mais ce que je peux dire, c'est que les autorités maliennes étaient au courant, sauf que l'information n'était pas remontée, parce que c'était encore une fois dans un cadre religieux. Merci pour ces précisions, Linda Labarbuy. Passion parfaite. Non, on est à la fin de cette édition. On a encore pratiquement 2 minutes pour sortir. Oui, je crois que pour ceux qui ont des craintes au niveau de ces revendications russes qui peuvent déboucher sur une troisième Une guerre mondiale, confrontation, oui. non, je ne pense pas qu'on ira jusque-là. C'est tout simplement que le président Poutine veut mettre en avant et sur la table le fait qu'il faut faire attention avec des revendications territoriales qui seraient issues de cadres juridiques qui ne sont pas conformes aujourd'hui à l'ONU. Je suis d'accord avec Mme Linda Labarbuy que la question israélienne ne se pose pas dans les mêmes termes. Mais c'est l'argument qu'on veut mettre en avant. Vous comprenez? C'est l'argument qu'on veut mettre en avant. Parce que là aussi, on peut questionner la vente de l'Alaska aux États-Unis. C'était sur quelle base? Nous savons quand même que les États-Unis, au-delà de l'Alaska, ont aussi fait une guerre au Mexique pour leur arracher un pan de territoire assez important aujourd'hui qui constitue cette bande-là qui va jusqu'au niveau de la Californie, en passant par le Texas. Ne l'oublions pas, c'était des territoires mexicains à la base dès le départ. C'est par le biais d'une guerre que les Américains ont arraché ces Ce territoires qui territoire. appartenaient au Mexique pour les rattacher à leur territoire. Bon, je ne parlerai pas d'Hawaï, qui est le dernier et le récent. Donc, je pense que c'est la problématique de cette propension, de cette du monde anglo-saxon à penser qu'elle peut, comme elle veut et quand elle veut, s'accaparer des terres, comme c'est le cas de l'Australie. Aujourd'hui, on empêche même l'expression légitime de la culture aborigène noire en Australie. Oui, tout à fait, On les il y a ce fiche, on problème. les fiche carrément. Je crois que c'est notre problème. Oui. Et c'est pour ça que je vous dis que le retard de l'unité du continent, c'est-à-dire que essayer de différer certains combats avec certains peuples, n'est-ce pas, qui attend justement que l'Afrique se libère totalement pour que ces problèmes soient mis sur la table. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks et d'autres peuples dans le monde, la Guadeloupe, etc., etc. Donc je crois que pour ça, c'est ça qu'il faut mettre en relief. Oui. Maintenant, sur la question algérienne, j'ai aussi beaucoup entendu les histoires de Oui. on dit l'Algérie exploitait de manière sous-marine la richesse malienne. Au contraire,
c'est la France qui a tenté à créer une ville souterraine et des espaces souterrains de stockage de l'ensemble des minéraux qui pillaient sur le sol malien. Et qu'ils estipaient, on dit que c'était des tunnels qui étaient trois fois comme des stades de football en termes de largeur et même de hauteur, qui pouvaient prendre des camions, des excavateurs les plus grands possibles. Ces tunnels ont été découverts. Mais l'Algérie n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, le meilleur allié de l'Algérie, du Mali dans cette zone-là, c'est l'Algérie. L'Algérie est le partenaire privilégié de la Russie. Oui. La Russie est aujourd'hui en étroite collaboration avec le Mali. Vous ne pouvez donc pas penser que, quel qu'en soit le cas, qu'il y a des bisbilles qui en arrivent jusqu'à ce niveau. Les gens qui développent des thèses pour opposer le Mali et l'Algérie aujourd'hui, ils n'ont pas raison. Ils ne font pas une bonne lecture des relations internationales. Ça ne peut pas tenir parce que la Russie se trouverait dans une situation assez délicate, tout à fait. N'est-ce pas? Donc elle est obligée d'utiliser sa diplomatie, même s'il y avait des problèmes, pour rapidement rabiboucher les deux partenaires et arriver à quelque chose de... Parce que les enjeux sont énormes. S'il y a un split aujourd'hui entre l'Algérie et les États de l'AES, je peux vous dire que les États-Unis, on voit comment ils poussent. Monsieur Blinken, il est là, hein. Il fait des va-et-vient. Oui, tout à fait. Ça va être du pain béni. Donc, nous non plus, qui sommes des panafricains, on ne doit pas trop souffler, n'est-ce pas, dans les braises de cette affaire-là. Comme sur la question tchadienne tout à l'heure, j'ai écouté notre ami. Attention, rien n'est encore gagné. On ne sait pas effectivement ce qui est en train de se développer. Prenons le temps, continuons d'observer, d'analyser la situation. On peut être très étonné demain de cette nouvelle percée diplomatique du président tchadien au niveau de la Russie. Et puis, une fois de plus, ce sont les peuples qui font la révolution. Ce ne sont pas les individus. Attention, ce sont les peuples qui font la révolution. Et à l'intérieur du ventre de ce peuple, naissent des leaders qui sont capables, justement, de diriger des aspirations profondes. D'impulser une certaine dynamique. Voilà, de ce peuple-là, vers des horizons dont ce peuple-là veut. Mais si vous continuez à espérer qu'un individu tel est Messie, parce que la question messianique... je pense que nous sommes aussi passés par là, que ce soit par la religion judéo-chrétienne que par la religion musulmane, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup adopté dans notre mode de raisonnement le fait qu'il y a un Messie qui va venir nous libérer. C'est le peuple qui se libère lui-même et il crée en son sein de véritables leaders qui sont capables de canaliser ses aspirations et de les conduire à la victoire. Merci à vous, passion parfaite d'homme. Merci une fois de plus à Linda Labarre. Oui, malheureusement, on ne peut plus retourner au standard vu le temps qui nous... nous avons débordé le temps qui nous est attribué. Toutes nos excuses pour les téléspectateurs au standard. On vous souhaite une très belle soirée, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous de bout en bout. On le rappelle pour nos téléspectateurs. Effectivement, ce vendredi, donc ce sera For You Media Africa, fera sa rentrée des programmes le vendredi 26 janvier 2024. Beaucoup de surprises, en tout cas, beaucoup de bonnes choses, de nouvelles choses, toujours pour rester dans notre combat, dans notre lutte panafricaine. Merci une fois de plus à vous. À très bientôt. Bonne soirée. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.